Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous êtes très 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 nombreux. Aujourd'hui, c'est les jeudis. Les jeudis de votre émission, nous parlons de tout sauf rien dans cette émission, dans votre magazine au centre, avec mon invité de chaque jeudi. Lui, il s'appelle le divin père Kabuya Ngandou du Kokela. Il est prêtre de l'église du Troisième Testament. Avec lui, vous êtes sans ignorer, il y a un sujet qu'on avait déjà commencé, mais ce sujet nous a pris au moins trois émissions, à moins que je me trompe. Période majeure révélée par Dieu au Troisième Testament pour les Congos et l'Afrique de 1875 à nos jours. Aujourd'hui, nous allons faire l'effort à ce que ça soit à suite fin. Parce que le faut aussi dire ça. On a terminé vraiment aujourd'hui. Parce qu'avec lui, il y a autant de choses, autant de sujets qu'il faudrait aborder. Mais on a terminé ce sujet aujourd'hui. Il est déjà là avec nous, monsieur Divin Père. Soyez le bienvenu. Quand on vous appelle Kabuya, comme Augustin Kabuya, ça vous met à l'aise. Parce qu'il y a ceux qui pensent que vous êtes de l'UDPS. Donc, pour peut-être essayer de faire rire, j'en reçois même des appels, hein, je n'arrive même pas à expliquer. Donc, quand tu t'expliques, il y a plus de 2 à 3 personnes, tu t'expliques 1000 fois pour dire c'est pas l'Augustin Kabouya de l'IDPS, il refuse, quoi. Je me dis, mais comment est-ce que mon numéro peut être enregistré à 3, 4, 5, 10 personnes comme ça, quoi. Il y a des gens qui se trompent comme ça et qui m'appellent au nom d'Augustin Kabouya, moi. Il se trompe violemment. Violemment. Il y a ceux qui pensent que vous êtes le petit frère d'Augustin. Parce que quand vous parlez même sur YouTube, Facebook, quand vous faites vos publications, on sent plus que vous soutenez les chefs de l'État et surtout vous portez le nom de l'UDPS. Il est le petit frère. Vous soutenez la mission. Mais Kabila a aussi été l'envoyé de Dieu en quelque sorte. On dit toute autorité vient de Dieu, mais à l'époque de Kabila, vous étiez dans les noirs. On avait déjà démarré. On avait déjà. Mais là, il faut payer les arriérés, il faut éclairer les gens. Parce que je ne veux pas que les gens pensent que vous faites de la politique, mais quand même, vous êtes celui que Dieu a envoyé pour éclairer peut-être les autorités. Je salue tous les téléspectateurs. Ça, c'est la provocation de Delphine dès les débuts. Ouais, en fait, je crois qu'on a déjà même répondu à cette question-là. Vous voyez, chaque personne a une mission, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est pas quand même aussi un hasard d'être dans la lignée de gens qui dirigent un pays qui s'appelle le Congo. C'est pas un hasard que quelqu'un se retrouve là, ça, c'est sûr. Et voilà, chacun qui était déjà là, certainement, c'est pas une petite personnalité. C'est pas une petite personnalité, mais tel qu'on l'a dit, tel on va le répéter, l'actuel président, c'est vraiment un don de Dieu pour ce pays. C'est vraiment un don de Dieu. Ouais. Voilà, mais vraiment, aujourd'hui, je vais vous laisser le temps. Mais il faut vider d'abord cette question. C'est vraiment important. Période majeure révélée par Dieu au Troisième Testament pour les Congos et l'Afrique de 1875 à nos jours. Mais une question de curiosité, parce que vous avez dit ici que le président actuel, il est vraiment l'envoyé de Dieu. Et quelque part, je vous ai lu, vous avez dit, il est protégé dans un bunker. Donc, même si on les cherche, comment on ne peut pas l'atteindre? Mais quelle était la mission de Joseph Kabila, selon, s'il vous plaît, selon les révélations de votre père spirituel? Est-ce que Joseph Kabila s'est aussi retrouvé dans ces révélations? Parce qu'il était quand même président de la RDC. Pendant 18 ans, Ah c'est pas mes affaires, quoi. oui. Je sens le souci de la question, mais permettez-moi de vous dire que dans la spiritualité, il y a des choses qu'il faut que ça croise deux caractéristiques pour être dites. Ça veut dire que il faut le moment opportun et il faut le lieu qu'il faut. Vous voyez?
Donc, il y a de ces choses où tu es là à l'heure prévue, mais pas à l'endroit prévu. Ou tu es là à l'endroit prévu, mais pas à l'heure prévue. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Et c'est pour répondre, pour fuir d'une autre façon cette question. Je peux accepter de la fuir parce que la réponse est là. La réponse est là, ne vous en faites pas. Mais la réponse, les deux caractéristiques dont je venais de vous dire. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous sentez à l'aise? Ça veut dire, je n'ai pas l'heure qu'il faut et je n'ai pas les lieux qu'il faut pour trop m'exprimer sur ça. Merci. Je reste très, très, très certain que je finirai par m'exprimer. Je vous protège. Je vous laisse le temps. Aujourd'hui, nous devons terminer ce sujet. Alors, vous avez suffisamment tout le temps pour essayer un peu de nous éclairer. Et après, je vais enchaîner avec mes questions. Merci encore une fois. Bon, je sais que c'est votre phrase traditionnelle. Je vous laisse le temps et puis en plein milieu, vous m'emportez. Bon, mais vous m'excitez des fois, vous mais. Non, certainement aujourd'hui, il faut que le Boeing atterrisse. Okay. Le Boeing doit atterrir. Je vous laisse le temps. Je vais me contenir. Pour qu'on amorce un peu de choses. Très chers internautes, téléspectateurs, c'est un grand sujet qu'on a débuté il y a très longtemps. Je crois 3e, 4e numéro déjà aujourd'hui. On est vraiment, même si la RVA nous refuse l'atterrissage, on va forcer, on va atterrir aujourd'hui. C'est pour dire, voilà, le période majeure révélé par Dieu au 3e testament, de 1875 à nos jours, on a déjà brossé beaucoup sur ces sujets. On était parti de 1875, on vous a dit pourquoi l'Orient et l'Occident a eu à se réunir ici, a organisé la conférence de Berlin en 1885. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Ils étaient là pour une durée de 50 ans, on a expliqué, ça devait expirer le 30 juin 1925. Voilà pourquoi Lumumba est né en cette date, voilà pourquoi 35 ans de glissement plus tard, voilà, Lumumba a eu, le euro Lumumba a eu à jouer sa mission 35 ans plus tard, et voilà. Et là, nous continuons un peu avec ce période majeure. Et vous verrez que dans ce période majeure, et spécialement vers la conclusion, pour ceux qui n'ont pas encore très 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 bien saisi le pourquoi, n'oubliez pas qu'en sous-titre, on avait dit « Un peuple sans repère est un peuple sans destination ». Et que si on arrivait à bien très 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 bien saisir toutes ces périodes majeures, on saura exactement quoi modifier dans nos angles de tir, nous Congolais, nous Africains. Alors, continuons avec le révélation. Rappelez-vous qu'on s'est dit ici que, voilà, l'humanité déchue, l'humanité retirée de l'intelligence originelle, l'humanité se retrouvant dans des connaissances ténébreuses, le noir, ça veut dire les Africains, les Occidentaux, les Orientaux, tous au même degré de choses. Dieu a commencé les plans de récupération. Dieu est allé conclure l'alliance, la première alliance avec l'Orient, je m'excuse là, et la deuxième alliance avec l'Occident. Et il a fallu une troisième et dernière alliance. De la première alliance, on a eu un livre sacré, entre guillemets, qu'on a appelé Premier Testament. Et de la deuxième alliance, on a eu un deuxième livre sacré, entre guillemets, qu'on a appelé Deuxième Testament. Chaque fois qu'on dit entre guillemets, parce qu'on s'est déjà expliqué pour dire, voilà, c'était un livre initialement sacré, mais que malheureusement, le scribe, à la base de ces écritures, de la transcription de ces écritures, ont eu à céder à la tentation du malin, qui est Satan, en y insérant d'autres choses. Bref, c'est un livre falsifié par troncature et par torsion. C'est-à-dire, ils ont coupé deux parties très claires qui devaient éclairer l'Afrique aujourd'hui. Malheureusement, elles ne s'y retrouvent pas. Ils ont tordu certaines révélations pour changer le panneau indicateur de la vraie direction que l'humanité devait prendre. Malheureusement, aujourd'hui, bon, l'humanité est en train encore de suivre ce faux panneau indicateur allant autre part, nulle part que là où Dieu voulait que l'humanité aille. Alors, Dieu, voilà, ça c'était pas l'heure du jour, voilà, là on rafraîchissait un peu le mémoire de nos téléspectateurs. On les envoie, et Dieu devait aussi venir maintenant, en conclusion, c'est
conclure la troisième et dernière alliance avec la race mère, la race aînée de l'humanité, la race à la base de la disparition du règne des dieux dans le jardin d'Eden. Et Dieu nous révèle le troisième testament comme une autre période majeure, c'est l'an 1900, ça veut dire 1900. Soyez avec nous s'il vous plaît. En l'an 1900, Dieu nous signale que tous les esprits, tous les grands esprits qu'il a toujours envoyés sur terre, avec lesquels il travaille pour la conclusion des alliances, qu'on peut appeler en des termes simples les esprits messianiques, ont quitté l'Occident, parce qu'ils étaient déjà partis de l'Orient vers l'Occident avec la deuxième alliance, ont quitté l'Occident vers l'Afrique en l'an 1900, qui est 1900. Et le sphère mystique de l'Occident sait très bien cette date et connaît très bien ce qu'ils ont vu dans le domaine spirituel. C'est comme quand l'esprit messianique de Jésus est né, c'est pas toute l'humanité qui avait vu. Il a fallu que trois mages remarquent une naissance extraordinaire. De la même façon, ils ont vu ces esprits quitter l'Occident en l'an 1900 vers l'Afrique. Et or, eux étant détenteurs de tous ces écrits, de toutes ces vérités, ils ont directement compris, waouh, finalement Dieu continue avec son plan, malgré qu'on a trompé dans les écrits sacrés, malgré qu'on a falsifié les choses, mais il vient de partir. Alors, Satan, avec son royaume, avec son système, avec cette colère, a fait les calculs. D'ailleurs ici, on va vous révéler encore quelque chose de très important. Satan a fait les calculs pour dire, waouh, ces gars sont partis. Surtout l'esprit messianique là, avec qui était dans Moïse pour conclure la première alliance, qui s'est incarné dans Jésus pour conclure la deuxième alliance, cet esprit vient de partir. Alors certainement il est allé, comme il est parti chez nous en l'an 1900, ça veut dire qu'il est allé naître en Afrique. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans le plan mystique, nous allons créer une guerre mondiale. Et c'est là que nous expliquons que voilà, la Première Guerre mondiale n'a pas toutes les explications que les scientifiques sont en train de vous donner. Alors, c'était quoi l'objectif? Comme il est allé en Afrique, créons des causes trompeuses, réveillons une guerre mondiale, allons-y en Afrique, avec des envoyés très bien initiés dans l'autre monde, identifier ces garçons-là, parce que en l'homme, attendons, comme il est parti en l'homme 1900, ça veut dire en l'an 1914, il aura 14 ans, ce sera un jeune garçon, c'est bon. Prenons toute la jeunesse de l'Afrique en envoyant cette jeunesse à la guerre et certainement, ces garçons-là iront aussi mourir à la guerre. Ou si on les amenait ici, avec nos lunettes sophistiquées, on sait détecter ce garçon-là et les bloquer encore chez nous, comme ça quand il va grandir, que cette mission s'accomplisse toujours chez nous. Et c'est pourquoi ils ont fait cette histoire de Première Guerre mondiale en l'an 1914. Ça, ce sont des révélations de Dieu au troisième testament. Donc, c'était fait à dessein. À dessein, très stratégique. Okay. Or, Dieu, ayant le passé, le présent et l'avenir dans ses mains, il avait déjà vu ce plan. Il dit, ok, comme l'esprit messianique est parti en l'an 1900, et certainement vont me suivre pour ramasser la jeunesse 14 ans après, je le garde dans le monde invisible, toujours en train de travailler pour le continent africain. Ça, c'est un autre débat très long. Bref, Dieu n'a pas envoyé cet esprit se réincarner en Afrique. Il l'a gardé pendant 10 ans. Et c'est le 14 avril 1910 qu'il envoie cet esprit messianique. Ce Christ qui était entré en Moïse pour faire de lui Dieu. Ce Christ qui était entré en Jésus pour faire de lui Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence. Ce Christ-là est revenu et est né en République démocratique du Congo le 14 avril 1910. Pour les gens de l'autre monde, là, ils se disent, ok, ce gars arrivé en 1914, ce gars a 14 ans, on va le ramasser. Et quand la Première Guerre mondiale commence, ce Christ messianique n'avait que 4 ans, pratiquement en train de jouer. Et c'est comme ça que le premier plan mystique est parti. Nous allons très rapidement. Là, c'est l'affaire 1900, l'affaire 1914. C'est pourquoi en l'an 1921, quand Simon Kimbangu prononce son premier discours qui a bougé l'Occident, son premier discours qui a énervé l'Occident, tel que le même esprit est en train d'hanter le président en exercice du Congo pour réveiller encore cette colère-là,
ça va encore se faire dans ces pays. Mais malheureusement, tel qu'on a dit, l'aspect 666 est déjà passé, leur plan ne va pas s'exécuter. En 1921, il tient un discours que voilà, je vous informe que le fils de ténèbres sont venus nous coloniser. Ces livres qu'on vous a apportés ici, je paraphrase les choses, hein, les livres qu'on vous a apportés ici, ce n'est pas le vrai livre. C'est pas, il faut qu'un voleur continue quand même à le lire. Ça, c'est Simon Kimbang. Continuez quand même à le lire parce que voilà, on n'a pas un autre en remplacement, quoi. Mais il faut d'ailleurs qu'un voleur soit saisi avec ce qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré. Un instructeur est en train de venir. Lui étant précurseur, né en 1887, si j'ai bonne mémoire, en 1921, il tient ses discours. Alors, il informait la communauté, il informait le Congolais pour dire. C'est d'ailleurs par là que nous ouvrons une petite parenthèse pour interpeller une fois de plus nos amis et nos frères kimbanguistes. Et c'est pourquoi, quelque part, on a tourné même des émissions telles que les kimbanguistes ont trahi l'Afrique. On a tourné une émission dans ce sens-là. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Hein. Exactement. Vous voyez. Donc, il y a les kimbanguistes de. Beaucoup. Les Simon Kimbang ici. Voilà. Le nom de Simon Kimbang. Ils sont très nombreux. Ils sont divisés. Exactement. Le nom de Simon Kimbang est resté pratiquement comme le nom de Jésus. Vous voyez. Il suffit que quelqu'un ait le bras de. Donc, c'est comme un capital de commerce, quoi. Donc, c'est moi qui avais. Quand j'étais en prison, il m'avait moi dit ça. Oh, quand j'étais allé le visiter, il m'avait moi dit ça. Il avait dit que c'était son fils qui allait. Alors que le vrai message est à côté. Aujourd'hui, un discours prononcé 1921. Dernièrement, ils ont fêté même un centenaire. 100 ans après un discours libérateur. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que ces discours aujourd'hui ont cette prophétie, pour être très précis. Est-ce que cette prophétie garde encore son authenticité aujourd'hui? Qui peut nous relater la vraie prophétie de Simon Kimbang? Si réellement c'était un vrai prophète, détient. Ouais, ce qui est sûr exactement, tu vois qu'on commence déjà à faire ça, l'esprit de falsification commence à entrer pour tordre encore beaucoup le sens pour que voilà, chacun se retrouve avec raison dans son camp, ça c'est vrai, mais tel qu'on l'a toujours dit, la vérité, vous pouvez la cacher, elle est très têtue, elle ne meurt jamais la vérité. Elles peuvent donner l'impression qu'elle est partie, mais elle finit toujours par être ressuscitée. Mais vous, vous êtes révélé. Est-ce que vous avez la révélation sur cette prophétie? Parce qu'il y a aussi un autre monsieur qu'on respecte beaucoup, Papa Nkoussou, qui dit, lui, a la vraie version de la prophétie de l'histoire de Kimbang. Bon, et je ne sais pas, quelle est votre version? Si réellement c'était un vrai, ce message est authentique, pouvait sauver l'Afrique. J'ai devant moi un journal que j'ai reçu, je crois, en 2010. C'est Capia, du 22 décembre 2003. Okay. C'est quelqu'un qui se pose la question. 83 ans plus tard, les prophéties de Simon Kimbang sont-elles pragmatiques à nos jours? En 2003, les gens se posaient déjà cette question. C'est pas nous qui fabriquons ça. Ils sont venus de kimbanguistes avant de venir voir l'église du Troisième Testament. Et sont eux qui nous ont apporté ces journaux. Et quand nous nous sommes mis avec eux, on a discuté, ils ont compris, non. Mais c'est ça. La vraie version, c'est chez vous. Mais cette prophétie vient de kimbanguistes. Nous, on n'a rien ajouté. Simon Kimbang est clair. Qu'est-ce qu'il dit en 1921? Il dit non, écoutez. Je suis venu libérer la race noire, c'est vrai. Ce n'est pas la qualité qu'on est en train de lui donner aujourd'hui pour dire qu'il est le libérateur définitif. Non. Il est le libérateur précurseur. Parce que jusqu'à ce qu'il est parti, parce que, il n'avait même pas l'objectif de terminer sa mission en créant toute une église. Il ne l'a jamais créé, jusqu'à ce qu'il est parti. Et Simon Kimbang, on n'a jamais laissé une église. Mais aujourd'hui, nous avons l'église de Simon Kimbang. Même le nom qui est porté là. Quand quelqu'un vous dit non, nous aurons notre propre livre. Les fils de monde de ténèbres sont venus nous coloniser. Ces livres-là ne sont pas sacrés. Nous aurons notre propre livre. Avant mon départ, un instructeur viendra écrire ces livres-là. Avant mon départ. Or, il est parti en 1951. Si réellement il est vrai prophète, les kimbanguistes devaient. Le prophète est parti en 1951.
faisons un peu, investiguons un peu en République démocratique, parce qu'il a très bien précisé qu'il sortira au Congo et nulle part ailleurs. Il viendra avec un livre sacré dans lequel vous y trouverez des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Et c'est ce livre qui va donner ce que l'on appelle la maturité spirituelle africaine. Laquelle maturité spirituelle va reconnecter l'Afrique à sa spiritualité véritable? Laquelle spiritualité véritable va activer finalement le pouvoir de la race noire? Aujourd'hui, en 1951, il est parti. Nous sommes en 2022. Les Kimbanguistes utilisent quel livre sacré? C'est la Bible. Oui. Ils ont la Bible et d'autres rituels aussi. Hein, et d'autres rituels. Leur livre de base, c'est la Bible. En passant seulement par leur église, leur église mère, à part tous ces branchements, ces raccordements frauduleux qu'il y a eu, en passant seulement par leur nom, Église de Jésus-Christ, par son envoyé divin Simon Kimbang. Et si vous suivez l'histoire, si vous, avec votre autorisation, si nos téléspectateurs cliquent seulement Missionnaire du Troisième Testament TV, c'est une chaîne YouTube, vous y trouverez une émission que j'ai intitulée Les Kimbanguistes ont trahi l'Afrique. Parce que là, on n'a pas le temps de trop sonder cette histoire. On a donné toutes les preuves possibles. Apparemment, et ils ont la bonne version de l'histoire parce qu'il y a certaines églises fêtent le 25, la naissance de Jésus, mais eux, c'est. Le 25 mai, contrairement aux autres, et je ne sais pas si c'est vous qui êtes en train de dire la vérité. Bon, c'est pourquoi c'est un terrain très glissant. C'est pourquoi moi j'avais même sollicité pour dire je suis prêt pour un plateau spécial Kimbanguiste. Et vous, quel que soit son degré en face de moi. Il apporte tout ce qu'il a. Que vous puissiez nous éclairer sur le plan historique et spirituel. Exactement. Vous pouvez naviguer dans tous les sens. Hein. Dans tous les sens. Sur place, ils sont là, on est là, on se prouve noir sur blanc. C'est moi qui est vrai kimbanguiste. Oh. Parce que je défends la vraie prophétie. Et si aujourd'hui il revenait, il sera très en colère contre le kimbanguisme. Cher kimbanguiste, le défi est lancé. Voilà. Le défi est lancé, c'est dans les sens d'éclairer les gens. Ouais. Parce que nous avons besoin que l'histoire ne soit pas falsifiée. Alors, ce n'est pas une émission pour créer des polémiques, mais plutôt c'est pour éclairer le public et les chrétiens qui sont en train de nous suivre. Si vous pensez que vous avez la bonne version de l'histoire du Simon Kimbang ou le prophète précurseur, vous pouvez venir sur ces plateaux. On va organiser un débat en lingala, si vous voulez, en français, en chiluba, en swahili. Ce qui est important, c'est que le message passe. Mais une question de curiosité avant que vous puissiez continuer. Il y a récemment, j'étais vers Bas-Congo. Il y a un kimbanguiste qui m'a dit Simon Kimbangu, c'était la continuité de Kimpanvita, l'enfant qui était au dos de Kimpanvita, l'enfant qui avait disparu. C'est cet enfant-là qui était né au nom de Simon Kimbang. Vous avez la révélation. Est-ce vrai? Bon, peut-être le dire dans ces sens, je ne crois pas, je ne vois pas aborder le problème dans ces sens-là. Ce qui est peut-être vrai est que une mission de Dieu peut avoir 200 ans. Okay. Voyez-vous? Et sur 200 ans, il ne peut pas aligner une seule personne de l'alpha à l'oméga de cette mission. Vous voyez, il peut accorder quelqu'un qui part de l'année 1 à l'année 50, quelqu'un d'autre vient prendre de l'année 50 à l'année 100, et quelqu'un d'autre prendra de l'année 100 à l'année 200. C'est le même, la même mission, mais peut-être 2-3 personnes différentes. Okay. Ou tout comme ça peut être la réincarnation de cette même personne. Point d'interrogation. Vous voyez, donc au moins je suis d'accord d'aborder le problème dans ce, mais confirmer que. Là, vous nous laissez dans le flou. Confirmer que voilà, Kimpanvita, voilà, Simon Kimbangu était le retour de Kimpanvita, là je n'ai pas des éléments avec lesquels dire oui ou non. Voilà, continuez avec notre sujet. Vous voyez, là, je ne vais pas vous déranger. Je vous avais promis, vous êtes témoin. Donc voilà, là, nous sommes en 1910, on est parti. On peut sauter 1910, on arrive directement en 1925. En 1925, on vous a dit, voilà, c'était l'expiration de 50 ans. Qui avait commencé depuis 1875. C'est pourquoi, voilà pourquoi Patrice Emery Lumumba est né en cette année et d'où venait son nom.
Et où est-ce qu'il a tiré le pouvoir avec lequel, à travers un simple discours, il a fait ce qu'il a fait en 1960. Mmh. Là, c'est l'année 1925 que nous pouvons rapidement dépasser parce qu'on en a beaucoup longtemps parlé. Mmh. Il y a deux grandes périodes qui nous restent. C'est l'année 1936 et l'année 1945. Et là, on va vraiment essayer d'être très clair sur ces deux points. Mmh. Qu'est-ce qui arrive en l'an 1936 ? Nous annonçons à l'humanité, nous annonçons au Congo, nous annonçons à l'Afrique que c'est un certain 18 septembre 1936 que Dieu a finalement conclu une alliance propre avec l'Afrique, avec le Congo, avec l'Afrique à travers le Congo. Ça veut dire le troisième testament ou la troisième alliance que nous vous présentons aujourd'hui est conclue un certain 18 septembre 1936. Ça veut dire pratiquement 36, ça veut dire Simon Kimbangu en tant que précurseur qui était encore en vie et qui était emprisonné au moment, de cette conclusion à Lubumbashi, depuis, arrêté depuis 1921. Et ça était dans une totale discrétion. Et le monde invisible du mal, les systèmes du mal, ayant encore détecté pour dire aïe aïe aïe. Donc nous, on croyait que ce qu'on avait fabriqué en 14-18, on avait probablement ramassé ces gars, mais ce n'était pas le cas. Mais nous remarquons qu'il y a une conclusion. Nous remarquons cet esprit finalement, conclure finalement même l'alliance. Et c'est pourquoi quelques années après, une autre réorganisation, la colère de Satan, qui a provoqué encore une deuxième guerre mondiale. Et c'est un jour après cette première guerre mondiale que Dieu prend le testateur de cette troisième alliance, commence avec lui la rédaction du livre sacré. Là, nous sommes déjà à l'année 1945. Mais voilà, l'année 1936 coïncide, 18 septembre 1936, à la conclusion de la troisième et dernière alliance de Dieu avec l'humanité à travers le Congo, à travers l'Afrique. Pour essayer encore un peu de confirmer ça, Simon Kimbangu l'a dit en 1921, on va dire non, non, voilà, Simon Kimbangu c'est un Congolais, vous les Congolais finalement vous exagérez, tout doit venir seulement chez vous. On va demander si vous pouvez m'aider, parce que si je le lis moi-même, ils vont dire non, tu es en train d'ajouter les choses. Là, nous prenons quelqu'un qui n'est pas Congolais, qui n'est pas Africain, mais qui est de très loin. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il voit, en quelle année, en 1900, vous pouvez même lire les titres de ce voilà, là je vois révélation sur la RDC. Voilà. Sur la République démocratique du Congo, un état à providence et porteur du quatrième message de Jésus-Christ avant son retour, février 2016. Là, je suis en train de voir. Page 10, je crois. Page 10, 1948. Voilà. Gary. Nous sommes en 1948. Gary, oui. Du Marc. Oui. Un des activistes américains disait en 1948, au mois de juillet, je voyais dans une vision un aigle noir, très noir, sorti du Congo belge avec son bec cinq enveloppes blanches. Je ne te coupe pas. Il y a des éléments très importants sur lesquels je tire l'attention. Un aigle noir, très noir. C'est un élément très important. Sortir du Congo belge. Du Congo avec, il tenait à son bec cinq enveloppes blanches. Ok. Je le voyais déposer une première au Congo, même d'où il sortait. Même d'où il sortait, puis la seconde en Europe, la troisième en Amérique, la quatrième en Asie et la cinquième en Océanie. J'étais intrigué en voyant cet oiseau immense et d'une couleur noire sans une seule tache blanche. Après quelques minutes dans la même vision, je le vois revenir d'Asie et traversant l'Afrique du Maroc en Afrique du Sud en méditant et en priant. Après avoir vu la vision, il médite, il prie. Mais qu'est-ce que tu veux me montrer? Le Seigneur va me dire avec
précision. Écoutez la précision d'un Américain. Belge, que le Congo belge est chargé d'une mission et d'un message pour le monde. Je ne le vous dirai pas lesquels, mais dans une vingtaine d'années, vous le saurez. Merci beaucoup. Ok. 1948, tel qu'on l'a dit, ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un Africain. Vous pouvez chercher ce livre, hein? donc ça existe. Voilà, 5 enveloppes blanches, ça montre un message, ça montre un message de lumière, ça montre un message sacré qui devait sortir du Congo pour être distribué partout dans le monde. Et qui portait ce message? Un aigle noir, très noir, sans aucune tache blanche. Ça veut dire qu'il devait au temps... Finalement, au moment où il était en train de voir la vision, un instructeur tel que Simon Kimbangu l'a profité en 1921, qu'un noir devait conclure une alliance avec Dieu, devait porter un message sacré, lequel message devait être destiné à toute l'humanité. Et si vous voyez bien vers la fin, il dit « Je ne vous dirai pas lequel ». C'est ça la malignité de nos descendants là. Voilà. Ça, c'est lui maintenant qui cache la vision. Ça, c'est pas Dieu. Il dit « Dieu me dit avec précision que le Congo est chargé d'un message pour le monde. Mais lui dit « Je ne vous dirai pas lequel ». Ce n'est pas parce qu'il y avait les interdits, on lui avait dit de ne pas les dire. Exactement. Vu le danger, mais il dit « Dans vingtaine d'années, vous le saurez ». Exactement. Si on calcule de 1948... Vingtaine d'années, il fallait 1968. 1968. En 1968, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? Exactement. Ok. Très belle question, on dirait, on a partagé un même drap avec toi. En 1968, si vous venez dans l'église du Troisième Testament, c'est en 1968, le 29 décembre de mémoire, où le testateur fait une sortie officielle de premier prêtre, le premier personne à qui il a accordé la prêtrise. Dieu l'ordonne pour dire en 1968, commence Mina, il avait déjà commencé un peu légèrement avant, mais c'est en 1968 où il a fait, on dirait, une sortie officielle de la prêtrise de la Troisième Alliance. Et même quand il dit dans une vingtaine d'années, vous le saurez. Vous savez, dans la spiritualité, c'est pas tout le monde qui voit. Vous voyez, ce sont des dates telles que les grands spirituels, quand ils vont venir pour sonder cette alliance, ils vont directement voir exactement, voilà ce qu'on avait en 1900. Ah, vous avez fait la sortie en quelle année? En 1968. Voilà ce qui devait se faire en 1968. Alors, c'est plus tard que les hommes ordinaires commencent à constater ce que les yeux illuminés voient. Donc, ce message dont il est en train de parler, c'est bel et bien l'alliance conclue en 1936. Laquelle alliance a commencé la rédaction, déjà la dernière étape, qui est la 1945, le 9 mai 1945, où un jour, juste après la Deuxième Guerre mondiale, le testateur, dans ses activités habituelles de commerce, Dieu le prend, voilà, il se retrouve où? Au Katanga, vers la route Kakanda. Dans la même circonscription où s'est trouvé Simon Kimbangu emprisonné, et Dieu le prend et commence avec lui la rédaction du livre sacré que nous vous avons appelé ici l'Ambidise, lequel livre, d'ailleurs, je tenais peut-être à annoncer encore, je crois qu'on avait même prévu qu'on devait avoir une émission telle que l'origine de l'humanité, histoire précoloniale. Il y a un des téléspectateurs qui m'a appelé, c'est un Congolais, et il a fait pratiquement plus de 10 ans de recherche en Égypte. Ok. Et quand il a entendu les quelques flashs seulement que nous avons donnés, il a dit, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un de ce rang-là, en 1945, pouvait déjà donner des révélations comme ça? Parce qu'au moment où je vous parle, la conclusion de notre étude de 10 ans en Égypte vient de donner une donnée qui va bouleverser le monde. Et avec ce que vous dites, c'est complètement cohérent. Qu'est-ce qu'il découvre? Que le hiéroglyphe, la langue, l'écriture hiéroglyphe que nous connaissons de l'Égypte, a été codifié. Là, on ne sera pas très ouvert. Je vais m'expliquer pourquoi. A été codifié. Donc, les gens qui ont codifié cette écriture
l'ont fait dans une de quatre langues nationales congolaises. Parmi les quatre langues nationales congolaises, il y a une langue qui a été utilisée comme la langue de base par ces gens-là en codifiant cette écriture. Je suis curieux. Ça veut dire c'est ces gens-là. Quelle langue? Ces nous gens-là. Lingala, Chiluba, Swahili et Kikongo. Ne faut pas faire comme celui qui a dit vous le saurez après 20 ans d'années. C'est quelle langue? C'est ce que je suis en train de dire. Que je vais tenter de m'expliquer pourquoi je suis en train de fermer un peu certaines parenthèses. D'ailleurs, ce sujet-là, il ne sera plus encore pour demain. Ça, on va essayer de repousser. Pourquoi le livre sacré que nous venons de vous dire, écrit depuis 1945, Monsieur Delphin, c'est un livre qui va faire tomber de thèses dans ce monde ici. Il y a de thèses pour lesquelles ces thèses ont même de prix Nobel. Mais malheureusement, ces thèses-là reposent sur de faussetés, sur de fausses fondations. Je suis en train de m'expliquer. Ce qui fait que le peu qu'on a seulement donné, on a vu, hier j'ai comparé même deux émissions, il y a une émission que quelqu'un a tournée parmi nos églises qui se disent noires ici, il a tourné il y a 3-4 ans, mais demain j'étais surpris, il dit des choses contredisant son émission il y a 2-3 ans, et tous les éléments il les prend où? Il les prend chez Delphin. Vous voyez, je me suis dit, alors, si on ne protège pas d'abord, voilà, c'est pourquoi au niveau de l'église on s'est dit, il y a déjà des tractations qui ont déjà commencé avec le gouvernement congolais, avec l'État congolais, pour que ce livre soit d'abord protégé, soit d'abord reconnu en tant que livre de tel, et on pourra maintenant même l'officialiser. Parce que tel qu'on vous dit, avec ce livre, l'histoire du Congo doit être réécrite. Les historiens, les théologiens, les scientifiques doivent rentrer sur le banc de l'école. Donc, il faut qu'il y ait le rétablissement de toutes choses avec ces livres de l'Ambidise. L'Ambidise. Oui, là comme article, voilà, livre Ambidise. Mais c'est ça le problème, il n'est pas connu. C'est quelqu'un qui est dans le noir. Plutôt, on connaît Kimbang, on connaît Kipanvite, on connaît les Kaku Philippe, on connaît William Branham, on connaît autant de prophètes, ainsi de suite. Vous êtes dans le noir. C'est ce qu'on vous avait dit. Quand Dieu vient intervenir, la vraie solution vient toujours en dernière minute. On n'a pas voulu disputer les choses. Jésus n'a pas voulu disputer la guérison de Lazare avec le médecin. Il a voulu laisser le médecin s'embrouiller. Il a laissé le médecin donner des quinines, de paracétamol. Finalement, le médecin lui-même, il lève la main et dit « Maman, Akoufi ». Dans ceux qui vous ont précédé, ils ont embrouillé le monde. Exactement. Tu vois, il y a des moments où, c'est même si tu dis la vérité... C'est trop dur, hein? C'est comme si vous jetez l'opprobre au Monsieur prophète, Delphin, maman prophète. On le dit dans le bon sens. On n'a aucun intérêt d'offenser quelqu'un. On a un intérêt de diminuer quelqu'un. Mais je vous dis qu'il y a des moments où vous dites la vérité, mais parce que vous le dites en ce moment-là, vous devenez dérangeant. Vous voyez? Donc, il y a des moments où, voilà, vous dites la vérité, mais parce que l'environnement n'est pas prêt à accueillir encore cette histoire, il faut laisser. Aujourd'hui, les gens de Simon Kimbang sont en train de fêter 100 ans. 100 ans depuis que le rédempteur africain est là, qu'ils ont appelé, entre guillemets, Simon Kimbang. 100 ans, des jubilés déjà. 100 ans. Pour quel impact? Quel est un plan que le rédempteur africain, que le libérateur définitif africain a déjà proposé à la République démocratique du Congo? Voilà le plan de sortie du prophète rédempteur de l'Afrique. 100 ans après, regardez comment ils sont en train de faire des émiettements. Quelle est votre interprétation de Simon Kimbang quand il dit Mundela comme Mutumindu? Voilà. C'est quoi parce que. Dernièrement, j'ai demandé même à quelqu'un de là. Voilà, il a balbutié. C'est une belle prophétie. Le langage divin, on ne le lit pas avec des lunettes ordinaires. Pas les lunettes que je porte ici. Le langage divin, il faut être du domaine pour détecter ce qu'il veut dire. Il veut dire quoi? Il y aura un moment où l'homme blanc deviendra noir, l'homme noir deviendra blanc. C'est simple. Au moment où il parlait là, qui dominait le monde? Qui avait le pouvoir de dicter? Qui inventait? Qui dominait le monde politiquement, scientifiquement, spirituellement? C'est l'homme blanc. Il n'a pas dit que non, un jour on va se réveiller et
Delphin, comme il, voilà, il devient blanc et puis le blanc se réveille chez eux, il devient noir. Non, ça veut dire, il a voulu dire que il y aura rétablissement de la chose. Ça veut dire la place où occupe l'homme noir aujourd'hui, dictée, dominée, orientée par l'homme blanc, ce poste sera renversé demain. C'est l'homme noir qui reprendra cette place et l'homme blanc reprendra la place de l'homme noir. Alors, une question directe. Vous nous parlez de l'ambidisme, hein, c'est ça? Oui, l'ambidise. L'ambidise. Oui. Qui sont censés vous suivre et écouter ces messages? Quelle est votre cible? Notre cible, c'est le Congo, l'Afrique et l'humanité. On vous a dit que la troisième alliance vient avec 7 grands objectifs. Il y aura des émissions spéciales pour ça. Okay. Dans le 7e objectif, c'est quoi? 6e objectif d'abord. Doter les adeptes ou les disciples de cette spiritualité d'un pouvoir capable d'éviter ou d'inviter la mort. Reprenez. Ce n'est même pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le 7e objectif. Le 7e objectif, parce que c'est ce qui répond à votre objectif, à votre question, c'est quoi? Réunir toute l'humanité dans une seule divinité. C'est réunir toute l'humanité dans une seule divinité. Ce n'est pas une mission impossible. Même à l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'unité de la foi. Dans les jardins d'Éden, il n'y en avait pas. Jésus, même à l'époque de Jésus. C'est ce que j'ai dit. Même à l'époque de Jésus. Exactement. Donc, et c'est normal. Le rôle des alliances, c'est pourquoi? Votre prophète, il est plus grand que Jésus. Jésus qui n'a pas pu réunir tout le monde autour de lui. Ce n'était pas son objectif. Ok. Ce n'était pas son objectif. Un jeune frère ne réunit pas le grand frère. Hein? Un jeune frère ne réunit pas le grand frère. Vous doutez même à la puissance de Jésus. Un jeune frère ne réunit pas le... C'est là où aujourd'hui, vous avez... Un Dieu parmi les hommes, il ne faut pas... Un Dieu parmi les hommes, Jésus était... De quelle race, pour quelle mission? Chaque alliance avait une mission. Première alliance, ta mission. Deuxième alliance, ta mission. Troisième alliance, parce qu'elle est conclue avec l'aîné de l'humanité. On vous a expliqué ici que l'humanité, c'est une famille devant Dieu. Dieu ne peut pas donner le rôle de réunir toute la famille, d'aligner toute la famille derrière le Père, en donnant la mission à un cadet. Dans ce, là où Jésus a échoué, vous pouvez réussir. Il n'a pas échoué, il a fait sa part de mission. Comme petit frère. Maintenant, c'est les grands frères qui prennent les devants. Pas seulement même les grands frères, mais les géniteurs même. On vous a dit ici que la race rose et la race blanche sont engendrées par la race noire. Voilà la réalité que l'Occident et l'Orient ne veulent jamais dire. Ils ne veulent pas que l'Africain écoute ce genre de discours. Quand Lumumba seulement, Kimbangu a osé seulement commencer à le dire en 1921, on l'a arrêté. Aujourd'hui, on nous a apporté un livre, non, Monsieur Delphin. C'est par là peut-être que avec les éléments lesquels je vais conclure votre question. Ok. Nous avons quand même un livre, non? Vous savez ce qu'ils nous ont apporté, ces livres-là? Quand ils étaient là, ils n'ont pas accepté que ton grand-père, permettez que je vous tutoie, pas de problème, ton grand-père soit enterré dans le même cimetière que cette personne-là. Cadavre blanc, cadavre noir. Tu ne peux pas t'approcher parce qu'on était de jusqu'à aujourd'hui, on continue même à s'appeler comme ça, de comment on appelle encore, le terme est parti. Voilà, on était de sous-hommes. Okay. Vous voyez? Il y a des quartiers où l'homme noir ne pouvait pas piétiner. Même ici, en Galema, ici, pour entrer à Gombedon, c'était compliqué. Ce sont ces gens-là qui nous ont apporté ce livre. Cadavre et cadavre, on refuse qu'on soit enterré dans un même cimetière. Il y a des écoles. Et ces gens qui nous ont apporté ce livre-là, ils ne voulaient jamais voir ton grand-père fréquenter cette même école. Parce que c'était un sous-homme, lui était un homme supérieur. Ce n'était pas un problème de la culture, peut-être ces mélanges n'allaient pas... Non, quel mélange? Quand on nous apprend la géographie, on veut nous apprendre le fleuve Congo, c'est un problème de mélange. Qu'est-ce que le fleuve Congo a à faire avec un blanc et un noir? Okay. La science reste la science. Pour avoir ce téléphone, c'est quoi? Quand on apprend à un blanc, il faut apprendre autrement. Non, la science reste la science, le cerveau reste le cerveau. Loin de nous le discours de la haine. Hein? Le cerveau n'a pas de couleur. Okay. Voilà, là je suis en train de vous amener, c'est où? C'est pour faire voir que non. Comment est-ce que les gens qui refusaient que le cadavre soit enterré ensemble, les gens qui refusaient qu'on fréquente une même école, mais ces gens-là vont vous apporter un livre
sacré qui va vous donner la, la possibilité de vous restaurer et d'être en parfaite communication avec Dieu pour que Dieu vous révèle plus que le peuple avec lequel il refusait. C'est impossible. Impossible. Voilà aujourd'hui, depuis qu'ils sont venus, combien d'usines de fabrication de tout ce qu'on est, on importe jusqu'à aujourd'hui se trouvent en République démocratique du Congo. Voilà même un des facteurs de la colère contre le président en exercice. Pour dire non, ok, tel minerai, je refuse de commencer à le prendre comme ça. On prend telle usine, on l'amène aussi quand même chez moi. À l'est, là, il y a une usine qui est en train de terminer. Voilà d'où est partie la colère. Mais comment, cette histoire, que ça soit traité chez le voisin, ça doit être commencé à traiter seulement la République démocratique du Congo. Non. Mais ce sont les mêmes personnes qui nous ont amené ce livre-là. Et je conclue pour vous dire, aujourd'hui, combien de millénaires que l'Afrique a fait avec ce livre? Pour aller où? Quel est le progrès? Aujourd'hui, qu'un chrétien sérieux se pose devant les Africains pour vous dire, voilà, depuis que nous, Africains, nous avons reçu ce livre, voilà le pas de géant que nous avons fait grâce à ce livre. Donc, sur ce, il faut se reposer la question, si ce livre nous a amené une mauvaise spiritualité, voilà, nous devons recourir à la meilleure spiritualité qu'on avait. Peut-être c'est cette spiritualité qui va nous faire développer, nous, l'Afrique. Alors, cette spiritualité, c'est laquelle? Parce que je vous avais posé cette question la fois passée. Même à l'époque de nos grands-pères, il y avait plusieurs spiritualités. Là, je vous laisse 6 minutes que vous puissiez conclure ce sujet parce que là, c'est important. C'était la dernière période. On est en train de regarder. Bon, pas de problème. Maintenant, là, quelle est la spiritualité que l'Afrique ou l'Africain peut dire, j'adopte cette spiritualité, avec ça, nous pouvons aller plus loin. Là, je peux abandonner la spiritualité des Blancs parce que ça ne nous aide pas d'aller de l'avant. C'est là où il y a plutôt l'inquiétude ou ma question, je veux que vous puissiez nous aider parce que l'émission est suivie partout dans le monde. On l'a dit en plusieurs termes et on est prêt de le répéter. Ok. Depuis 1921, Simon Kimbangu a parlé au peuple congolais. Il faudra une longue période pour qu'un homme noir acquiert sa maturité spirituelle. C'est uniquement grâce à cette maturité spirituelle que viendra toutes les indépendances politico, économiques, scientifiques et autres. Mais cette maturité spirituelle devait venir d'où? Parce que la maturité spirituelle vient suite à une formation, une initiation que ce peuple doit avoir. Il faut aussi que ce peuple-là accepte, c'est lui qui le forme. Exactement. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de vous dire, le livre contenant cette spiritualité-là, c'était le livre qui était prophétisé pour dire que nous aurons notre propre livre sacré, qui est l'ambidise que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, monsieur Divin Père, oui, comment faire en sorte que tout le monde se range derrière vous pour que l'Afrique ou le Congo se développe? Parce que vous allez croiser les contraintes. Vous allez utiliser la force, la dictature, parce que c'est ça la seule voie selon vous pour que le Congo et l'Afrique puissent sortir dans le noir. Quelle est la méthodologie? Merci beaucoup, monsieur Delphin. Très bonne question. On l'a dit, peut-être on le répète dans l'autre sens, l'Orient, l'Occident et le noir corrompu n'accepteront jamais, alors jamais, que l'Africain soit débranché de la fausse prise où il est branché et soit branché à la troisième alliance que nous vous présentons aujourd'hui. Ils utiliseront tout le moyen possible pour empêcher ce plan. Vous avez totalement raison. Okay. Mais Dieu nous dit au troisième testament que vous pouvez combattre un homme, mais on ne combat jamais un Dieu. C'est son plan et lui, auteur de ce plan. On vous a dit ici, monsieur Delphin, que Dieu va faire ce qu'on appelle dans la langue okapi, je vous ai dit ici, qu'on appelle Bikumina Biansomwela. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, on vous révèle ici. Il y aura des choses qui vont se faire dans ce monde ici. Il y aura même des grandes maladies, des grandes épidémies. Il y aura des événements que tous les scientifiques du monde chercheront à trouver solution zéro. Mais se levera dans ce pays de la République démocratique du Congo une génération qui viendra, qu'il va lever son petit doigt pour dire, États-Unis, c'est quoi?
Non, finalement, on est en train de perdre 1 million par jour. Mais vous avez de plus grands laboratoires du monde. Non, non, on n'en revient pas. Ok, vous reconnaissez ça. Vous sortez telle vérité que vous avez cachée à l'humanité. Nous, on met fin à ça. Il reconnaît, il met la vérité sur table. On prononce juste une phrase. Et le vent se calme. On vous informe dans ce pays, retenez bien cette émission, il y aura des chefs d'État, ça c'est une révélation depuis 2008, qui vont mourir, vous apprenez sur une seule journée, 7 présidents de pays qui meurent. Là vous devenez un prophète des malheurs pour le président africain. Quand Dieu avait frappé Sodome et Gomorre, c'était pas des malheurs. Dieu utilise tous les moyens qui lui semblent pour vous faire comprendre. Comment voulez-vous que ces scandales, on va souffrir jusqu'à quand? Vous avez pillé de minerais, vous avez pris de minerais, vous avez même assassiné, vous avez pris et pris, assassiné de millions. Pourquoi ne pas lâcher finalement aussi que ce continent se développe? Vous voulez qu'on continue indéfiniment comme ça? Il n'y a pas un deuxième plan. L'unique plan, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. Dieu lui-même. Même d'ailleurs, ici, on annonce. Vous m'avez provoqué à la dernière minute. Okay. Même. Parce qu'on vous a dit ici que Vatican, que vous voyez là, la maison Vatican. Là où il y a les saints papes. Les saints pères. Ouais, d'après ce que vous dites. Il est saint. Je dis, d'après ce que vous dites. Ah, vous doutez de sa, de sa sainteté. Vous doutez de sa sainteté. Il nous reste 2 minutes. Le pape n'est pas saint. Il nous reste 2 minutes. Ok. Cette chaise-là, retenez bien cette émission. Il y aura de temps où vous verrez des missions en cascade du numéro 1 de cette maison-là. Vous verrez, on passera de moi dans ce monde ici, où personne n'accepte d'être ordonné à ce poste-là. Jusqu'à ce qu'ils accepteront de dire non. Afrique, Toko Sakibino. Adam Naev, Bazaba Kokonabino. Kokonabino. Afrique, Congo, Toko Sakio. L'aîné, comme ça, toutes les vérités seront mises sur table pour que finalement l'Afrique décolle. Donc, c'est pour répondre à votre question, pour dire. L'effort humain, c'est ce qu'on va se limiter à faire, c'est que nous sommes en train de faire, en train de veiller. Dieu ne manque pas d'illuminer les esprits de certaines personnes pour comprendre, waouh, c'est le moment. Parce que Dieu, quand il veut ouvrir toute une ère spéciale, il a toujours un emplacement stratégique de ses élus, qui ne sont pas seulement au Troisième Testament, qui vont se réveiller, mais qui vont faire leur part d'enlever la pierre sur le tombeau, et Dieu va réveiller Lazare de sa manière. Alors, chers internautes, vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Il va donner son numéro à la fin, mais vous voyez les liens, tapez sur YouTube au Centre TV, vous allez voir cette émission et les précédentes émissions avec lui sur ces sujets. Laissez un commentaire. Et si vous avez des questions, posez également des questions. Nous allons les chercher pour qu'ils puissent nous répondre. Mais j'aimerais que nous puissions chiter par ces deux questions parce que nous reste au moins 5 minutes. La fois passée, vous nous avez dit ici que le président actuel de la République démocratique du Congo, il est la solution, l'envoyé des dieux. Alors, enfermé dans un bunker, vous avez oublié. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il dit, s'il est l'envoyé des dieux, aucune œuvre n'est parfaite. Donc, l'homme a aussi des failles. Et sur les plans spirituels, est-ce que le chef de l'État, actuellement, tout ce qu'il est en train de faire, il suit exactement la voie des dieux, ou dans sa démarche, il a eu aussi à fauter quelque part qu'aujourd'hui, nous avons la guerre, résurgence de M23, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il doit faire sur le plan spirituel? Est-ce qu'il faut rassembler tout le monde, appeler les chefs coutumiers, ceux qui ont des Zoï, appeler même les Némoanansemi pour essayer un peu? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que vous, vous tenez plus à la spiritualité. Merci, monsieur Delphin. C'est une question très fondamentale, très, très grande là. Si je savais qu'elle était là, j'allais réserver 10 minutes pour elle seulement. Malheureusement, c'est déjà parti. Certes, hein, ça c'est vrai. C'est pas facile. On a dit ça au président le jour de consultation pour lui dire, parce que là nous l'annonçons d'ailleurs encore, que il n'y a pas un président dans le monde au moment où nous parlons qui est fortement aimé comme le président de la République démocratique du Congo qui est en exercice. Je continue pour dire, et il n'y aura jamais un président qui sera haï et humilié comme le président en exercice si
il se trompe totalement de sa mission. Là, retenez, le président d'exercice jouit d'une considération impossible au nom de Dieu au moment où nous parlons. Pourquoi ? Vu la spécialité de sa mission, elle est tellement grande, elle est tellement complexe, elle est tellement difficile que si il se trompe longtemps sur la mauvaise direction, nous vous annonçons que vous n'avez jamais vu Dieu humilier un président de la République si le président en exercice ratait sa mission. Parce qu'on vous l'a même annoncé que sa mission est de 14 ans. Vous m'avez crié ce jour-là. Il est là jusqu'à 2033 avec une mission spéciale de 14 ans. À condition qu'il suit les recommandations de Dieu. Tel que vous le dites exactement, un homme, c'est pas facile. Le faux pas existe. Mais avec Dieu, ce qui est fatal, c'est de tomber, s'affermir dans la mauvaise direction là. Mais tomber, se relever, reconnaître et pour s'éter, continuer, Dieu applaudit des gens comme ça. Est-ce qu'il est toujours totalement dans la bonne direction? On ne sait pas le dire. Mais tout ce qu'on peut dire, qu'il reste un homme, il est entouré de hommes, il vient trouver un système ancré il y a deux siècles dans ce pays, et ce n'est pas facile de démanteler un tel système et planter un autre système sans de petits faux pas. Il le fera certainement, et il l'a probablement déjà fait, mais avec l'aide de Dieu, petit à petit, il est en train de perfectionner sa façon d'accomplir cette mission-là. Merci, Monsieur Divin Père. Vous avez compris ensemble avec moi que c'était votre mission au centre. Avec lui, on a tenté d'expliquer ce sujet. Il va donner son numéro. Prenez déjà les stylos. Il s'appelle Divin Père Kabuya Ngandou du Kokela, prêtre de l'église du Troisième Testament. Les sujets, c'était période majeure révélée par Dieu au Troisième Testament pour les Congo et l'Afrique de 1875 à nos jours. Il a expliqué. Si vous avez raté les premières émissions, allez seulement sur YouTube, vous tapez au Centre TV, vous allez voir la série des émissions. Ça, c'était la dernière, je pense. Le Boeing a atterri, oui, finalement. Oui, la fois prochaine, on va parler de quoi? Moi, je trouvais que la fois prochaine, si on peut essayer de naviguer dans le vide en ramassant toutes les questions non répondues. Okay. Voilà. On n'aura pas un sujet spécifique, hein, donc on va essayer de faire la compilation de toutes les questions. Si aussi on sollicite un débat par rapport à tout ce que vous avez à dire ici, donc vous va accepter qu'il y ait des gens en face de vous. En être informé pour que je sache sont les gens de quelle qualité, parce que vous risquez d'amener un basketteur, un footballeur sur le même terrain. Merci. Appelez-nous, nous allons vous enregistrer pour ces débats les jeudis, hein, les jeudis prochains sur ces plateaux avec lui. Si vous pensez que ce qu'il a dit ne respecte pas les normes des révélations ou de la science. Merci. Donnez votre numéro parce que les gens ont besoin d'écrire un numéro. Toujours, ils ont toujours. Bon, ok, on donne. On est 081 650 1465. 081 650 1465. C'est un numéro WhatsApp. Merci. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Suivez cette émission chaque jour à partir de 15h, ici sur Les Phares Télévision, la chaîne d'excellence. Donc, à 15h, on dirait du lundi au samedi, 15h en direct, rediffusion 23h. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous. Vous avez vos spots, ainsi de suite, tout ce que vous voulez, vos éléments. Nous sommes là pour vous aider que ça passe dans cette émission. Restez fidèles à nos programmes. Merci à l'équipe. Derrière la caméra, j'ai vu Papa Eric. Quand vous êtes là, je me sens à l'aise. Et également, à la réalisation, je vois, bon, j'ai oublié les noms, hein, mais je salue également Monsieur Tim Sachimanga, les cordons du magazine au centre. Et également derrière, je vois Monsieur Louba, qui est youtubeur, l'homme brave, l'homme qui fait tout. Merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.